Bonjour, je vais faire une petite vidéo pour celles qui ne savent pas comment diminuer la vitesse d'une vidéo. Quand il y a quelqu'un qui fait un crochet, vous trouvez que c'est rapide, il y a une façon de le faire sur PC comme sur téléphone. Voilà, par exemple, il y a une vidéo là, et vous trouvez que la personne fait vite. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur PC? Vous pouvez aller vers paramètres, vous cliquez sur paramètres, vous avez vitesse de lecture, il y a normal, il y a écrit normal, c'est coché, coché normal. Donc vous voulez la diminuer, donc vous allez vers, vous cochez soit 0,75 et vous avez vitesse de lecture 0,75, ça veut dire elle va être diminuée de un quart. Si vous faites 0,5, vous cochez 0,5, vitesse de lecture 0,5, la vitesse de lecture va être diminuée de moitié. Et là, 0,25, ça va être encore diminué de 3 quarts. Donc, de 3 quarts de la vitesse normale. Donc, voilà, sur PC, c'est comme ça que vous allez changer la vitesse de lecture. Maintenant, pour le faire sur téléphone. Voilà, c'est également une de mes vidéos. Et là, sur quand ça marche, et vous trouvez que, par exemple, je vais vite en expliquant ou bien je vais vite en travaillant, et vous ne voyez pas où est-ce que j'introduis mon crochet, vous cliquez sur la vidéo, comme ça vous cliquez, il y a trois petits points qui apparaissent dans le coin là. Regardez, je clique. Je clique sur les petits points et voilà ce que j'obtiens. Donc là, vous allez sur vitesse de lecture et vous voyez, il y a normal coché. Elle est cochée normal. Il y a une petite encoche à côté de normal. Je reviens, donc voilà, vitesse de lecture. Vous voulez la diminuer, vous allez cliquer sur 0,75 et la vitesse diminue. Ou bien vitesse de lecture 0,75. Vitesse de lecture, vous voulez la diminuer de moitié, vous appuyez sur 0,5 et voilà. Et vous aurez une vitesse moins rapide. Et ainsi de suite, à 0,25, elle est très très lente. Vous pouvez donc regarder comment le crochet entre, où est-ce qu'on l'insère et voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. À la prochaine, Inch'Allah.